الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال، مدد سلطان ولا أولياء، أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. الحمد لله. Allah Azza wa Jal nous a rassemblés ici en direct, Inch'Allah, pour un khayr. Nous prions que le khayr soit sur tous pour ce temps difficile et ce temps de patience qui est demandé à l'humanité. Qu'un regard de miséricorde et une brise de guidance nous soient accordés. Que notre amour pour Allah augmente, l'amour de son messager, l'amour des gens d'Allah, des awliya, de nos mashayikh. Que l'amour du bien augmente en nous et que nous détestions davantage le mal tous les jours. Que nos intentions soient illuminées de bonnes intentions et que nos mauvaises intentions soient amoindries. Pour la continuation de cette série sur les commentaires du livre de Mawlana Sheikh Hicham, qu'il a écrit sur les signes de l'approche de l'Armageddon, la fin des temps. Et aujourd'hui, pour un entre-deux, un commentaire que Mawlana Cheikh il fait lorsqu'il parle du caractère de Nemrod et des virus qui nous attaquent, dans plein milieu de ce livre, qui a été publié en 2007, où il dit que Nemrod était un tyran terrible, et c'était le paroxysme de la caricature de l'ego gargantuesque qu'il avait. Aussi, tellement entêté qu'il voulut combattre Allah, et il monta sur une tour, tira des flèches, l'histoire est bien connue, et une pluie de sang coula. Donc il alla se targuer à Sayyidina Ibrahim alayhi salam qu'il a tué son Seigneur. Et il avait gouvernant sur toutes choses et surtout opprimait beaucoup les gens sous sa gouvernance. Et Allah Azza wa Jal lui envoya un petit moustique qui rentra dans ses narines et qui se mit à grignoter à l'intérieur de ses fosses nasales jusqu'à ce que cette douleur devienne insoutenable. Et Nemrod mourut à force de se cogner la tête pour empêcher cette douleur et à demander à ses soldats de lui taper sur la tête tellement la douleur était insupportable. Et Mawlana Cheikh dit, malheureusement, ce trait de Nimrod est très perceptible aujourd'hui chez les humains, avec le nafs al-amara bisou, le niveau d'ego vil, l'ego enfantin terrible, est énormément présent chez les humains. Et donc, Allah Azza wa Jal va continuer à envoyer, à la mesure de l'ego des humains, des petites créatures. Et ces créatures invisibles, qui sont ces fameux virus, portés parfois même par d'autres petites créatures, comme le virus du Nil a été porté par un moustique, pour discipliner les humains et les ramener à la bonne mesure. Alors, par la suite, Mawlana Cheikh passe à un autre signe qui est l'étrangeté de la sunna et de ses adhérents. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous ce qu'il y a de plus important pour suivre le droit chemin. Après les commandements d'Allah, nous devons nous assujettir à cette sunna qui est en fait une décomposition des commandements d'Allah à un niveau qui est beaucoup plus proche des humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit à propos de cela lorsque Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, radiallahu anhu, pour ce compagnon honorable, l'islam commença tel une chose étrange et il redeviendra comme une chose étrange, comme il le fut à son début. Alors bonne nouvelle à ceux qui sont étranges. Et Mawlana Cheikh continue en rappelant que l'heure ne reviendra pas avant que la foi ne retourne prendre refuge à la manière d'un serpent qui retourne se réfugier dans un trou. Et
Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est comment cette foi a déserté les croyants. Comment elle a déserté les musulmans. Qui, nous sommes nombreux à porter ce titre de musulmans, c'est-à-dire nous avons accepté Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme notre messager. Mais la foi est une autre chose, c'est un état de cœur. Et c'est un état de cœur duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne pouvez pas prétendre être des croyants. Comme Allah azawajal nous le rappelle, dites, vous vous êtes soumis. Et cette foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, va déserter les humains. Et donc, dans un... Tabarani a transmis ce fameux hadith de Abu Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, pour toute chose, il y a une progression et une régression. En vérité, la progression de cette religion est la situation d'aveuglement et d'ignorance dans laquelle vous étiez et au sujet de ce avec lequel j'ai été envoyé par Allah. En vérité, le perfectionnement de cette religion est que l'islam fut enseigné au clan par ses membres à tel point qu'il n'y eut parmi eux qu'un ou deux malfaiteurs. Ainsi, ceux-là furent opprimés et dégradés. Lorsqu'ils voulurent s'exprimer, ils en furent empêchés, contenus et harcelés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit, il dit pour toute chose, il y a une progression et une régression. Allah azawajal a établi les choses comme ça dans le monde de la causalité et dans la dunya. La progression de l'humain est quand il naît, il commence à grandir, à croître et à se déployer. Un jour, il atteint le summum de sa force, de sa taille et de sa puissance. Et là commence le déclin. Et nous voyons ce signe dans toutes les choses de la nature autour de nous. Nous voyons ce signe dans tous les empires. Nous voyons ce signe dans toute chose qui a un cycle. Et ce signe existe également dans la création, avec Kun Fayakun, comme nous l'avons élaboré un peu plus tôt dans ce commentaire, avec le déploiement de la matière, de cette puissance qui émanait de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'univers a commencé à se déployer, mais en course vers son déclin, vers sa fin, où un jour tout sera anéanti, comme Allah azawajal, il nous le rappelle lorsqu'il dit, donc toute chose sera anéantie, excepté le visage du Seigneur des mondes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de cette expansion, il va dire que la progression, c'est son arrivée qui a été sur un temps de Jahiliya et de ce qu'il a apporté. L'islam s'est répandu à travers les clans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques malfaiteurs, parce que l'islam a guidé les tribus et s'est imposé comme une norme de valeur. Et ces quelques malfaiteurs, parce qu'ils étaient contraints, alors ont été amoindris. Et par la suite, il dit, en vérité, comme régression de cette religion, la tribu agit de manière rude contre ses membres, à tel point qu'il ne reste en son sein personne à l'exception d'un ou deux faqirs. Ils seront alors opprimés et dégradés. S'ils parlent et recommandent le bien et interdisent le mal, ils sont contenus, harcelés, persécutés, et ils n'auront aucun sujet ni d'aide à ce sujet. Aucun support ni d'aide à ce sujet. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que la régression de cette religion va être le temps où la tribu, donc le groupe, les communautés auxquelles ils nous appartiennent, nous appartenons, vont agir de façon rude, avec une rudesse contre les membres, avec de l'oppression, à tel point qu'il ne restera plus au sein de nos communautés
que quelques personnes dotées de bonne compréhension. Et eux, alors, seront opprimés, dégradés, et lorsqu'ils voudront s'exprimer pour recommander le bien et nous empêcher de suivre le mal, alors ils seront persécutés, ils seront harcelés. Comme nous le voyons aujourd'hui, les gens qui rappellent, les aînés, les sages, les anciens, les gens d'humilité et de savoir, alors n'ont plus aucune place dans nos civilisations de tyrannie, où la condescendance, la prétention, l'arrogance est maître, et surtout où l'ignorance, la djahiliya, règne en maître. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que Ubada ibn Samit, radhiallahu anhu, a dit à l'un de ses compagnons: il est imminent que si tu vis longtemps, tu verras un homme qui récite le Coran dans la langue de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, brandissant, étalant son halal et son haram. Cependant, il sera de bas statut et négligé parmi vous, et sa valeur sera juste comme celle d'un âne mort. Et nous voyons que la récitation du Coran revient encore aujourd'hui, où ce compagnon rappelle ce que nous allons voir à travers le temps. Beaucoup de gens vont être en mesure de parler, de réciter et de commenter sur le Coran en disant ça c'est halal, ça c'est haram. Et ça c'est quelque chose de très intéressant dans ce hadith parce que c'est quelque chose que Mawlana Cheikh Nazim a critiqué fermement, qu'Allah sanctifie et honore son secret, dans les dernières années avant son départ, lorsqu'il adressait les ulémas de ce monde en leur disant: mais comment êtes-vous devenus juste des fakirs qui n'enseignent que la jurisprudence et tout ce que vous allez dire, ça c'est halal, ça c'est haram, alors que l'islam est un appel vers Allah qui repose sur autre chose. Vous devez enseigner aux gens comment bâtir, comment construire, comment consolider leur foi, leur iman, pas simplement leur donner des règles de conduite, parce que ces règles, si elles rentrent dans un cœur qui n'a pas de noblesse, alors c'est difficile de s'y épanouir. Mawlana Cher continue en disant, Abu Asher Asbahani rapporte sur une chaîne qui remonte au Tabi'in, Sayyidina Hassan Basri, radhiallahu anhu, que le qui a dit: si un homme de la première génération des musulmans nous était envoyé aujourd'hui, il n'aurait rien reconnu de notre islam à l'exception de cette prière. Puis il dit: je jure par Allah, s'il devait vivre du temps de ses méfaits, il verrait l'innovateur conviant à son innovation, et celui obsédé par la vie mondaine exhortant à ses affaires mondaines. Alors Allah le protégerait de son cœur, et son cœur désirerait la voie suivie par les salafs salih. Il suivrait alors leurs pas et agirait selon leur voie. Et il y aura pour lui une grande récompense. Alors, sur ce tabi'in célèbre, Sayyidina Hassan Basri, qu'Allah Azawajal soit satisfait de lui et le couvre de sa lumière, de sa guidance. Il est l'un des héritiers spirituels de Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, où il décrit que l'islam, déjà de son temps, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en restait plus grand-chose à l'exception de la prière. Ça, c'est un rappel que nous a fait Mawlana Cheikh Hicham fréquemment pour nous expliquer à quel point l'esprit de la révélation s'est effacé
littéralement avec la génération des compagnons. Et par la suite, a subsisté un islam différent de cet islam qu'ont vécu les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Hassan Basri continue lorsqu'il dit là-dedans, que si les gens devaient vivre alors de son temps, les compagnons, ils verraient littéralement énormément d'innovations et énormément de choses mondaines. Mais Allah, dans sa générosité, protégerait leur cœur de tout cela et les inviterait à suivre la voie des salafs salih. Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des souverains sur vous qui abandonneront la sunna, comme celle-ci. Et il pointa en direction de son doigt. S'ils vous aviez laissé ces leaders à eux-mêmes, ils auraient été à l'origine d'une grande affliction et de grands désastres. Il n'y eut aucune oumma précédente dont la première chose à abandonner de leur religion ne fut la sunna et la dernière à délaisser ne fut la prière. Et si ne fut que ces souverains n'avaient pas honte et peur de leur peuple, ils n'auraient pas prié. Alors, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous rappelle cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que la première des choses que les gens vont abandonner, ça va être la sunna de leur prophète. Tous les peuples ont fait cela. Et en abandonnant la sunna, en finalité, ils vont finir par délaisser la prière. Et que nous allons être gouvernés, donc, avec des gens qui vont faire cela, avec des leaders qui vont complètement se détourner de la sunna. Et encore, ça c'est le moindre. Ils vont continuer à prier, si ce n'était pas par peur et par honte de ce que les gens vont dire. Ils ne prieraient même pas, parce qu'il n'y a pas cette ferveur juste d'accomplir la simple prière en eux. Et donc, Maulana Cheikh Hicham continue sur l'un des signes également, celui qui dit la vérité va être rejeté. Alors, Sayyidina Abu Huraira anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant que n'advienne l'heure, il y aura des années de déception au cours desquelles celui qui est digne de confiance sera taxé de traître. Et le traître sera digne de confiance et le piètre se prononcera. Donc le digne de confiance, Al-Amin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que les gens à qui on pourra faire confiance vont être traités de traîtres, comme on l'a entendu sur les Aoulias depuis 100 ans, depuis 150 ans. Combien de sales choses ont été dites sur eux alors qu'ils ont été les pierres angulaires de la guidance de la Oumma. Dans tous les peuples où l'islam a été, cette myriade de gens d'Allah ont été ceux qui ont illuminé la compréhension, la croyance, ont revivifié le iman dans le cœur des communautés dans lesquelles ils étaient. C'était les pieux, c'était les véridiques. Et alors nous voyons depuis l'avènement de certains courants de pensée, combien d'insultes ont été dites sur eux, combien de leurs mausolées ont été détruits, combien d'entre eux ont été assassinés, combien de leurs disciples ont été persécutés à ces chairs. Et il dit alors, le digne de confiance sera taxé de traître et le traître sera digne de confiance. Combien de nos nations ont suivi des traîtres? Combien de nos nations se sont affairées avec ceux qui n'ont aucun intérêt pour l'islam? Regardez tous nos pays, regardez tous nos leaders. Ils se sont attachés à des nations qui avaient d'autres croyances ou à des nations qui n'avaient pas de croyances. Hein? La moitié des pays musulmans ont suivi le socialisme, le communisme qui nous venait du bloc soviétique et on fait confiance à ces gens alors que ces gens dans leur système n'avaient absolument aucune croyance. Et
On y retourne d'ailleurs parce qu'on essaye de trouver des alliances entre les Occidentaux. Mais au-delà de ça, combien d'autres alliances nous avons fait et nous avons eu confiance dans ceux qui ont été les traîtres, dans ceux qui nous ont trahis et qui nous ont trahis à répétition. Combien de sang, combien de peines, combien de souffrances ont été mises sur les nations musulmanes par la trahison à répétition des nations colonisatrices. Hein, l'histoire récente est pleine de ces choses tristes. Mais voilà, Nasher continue également sur ce hadith lorsqu'il évoque que le digne de confiance sera taxé de traître. Et le digne de confiance, Al-Amin, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Donc vous allez voir le temps où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même va être injurié, va être insulté en public. Et on va littéralement le traiter de traître, d'avoir trahi ce qu'il y a de bien pour l'humanité. Comme nous avons vu les vautours et les vampires de ce monde qui se cachent derrière leurs médias pour pouvoir, dès qu'ils ont la possibilité, ou derrière la liberté d'expression, de pouvoir essayer de salir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils n'ont jamais rien lu de lui, juste parce qu'il brûle en eux un mal. Et dans un autre hadith, Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète qu'un bédouin demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, quand est-ce qu'aura lieu le jour du jugement? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, lorsque le dépôt al-amana ne sera plus respecté. Alors attends-toi au jour du jugement. Alors le bédouin lui dit, Ya Rasulallah, comment le dépôt n'est pas respecté? Il n'y aura plus de confiance? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, lorsque le pouvoir et l'autorité sont aux mains d'une personne qui ne les mérite pas, alors attends-toi au jour du jugement. Combien de nos leaders répondent à cette description? Le pouvoir et l'autorité aux gens qui ne le méritent pas. Combien de tyrans nous gouvernent? Combien d'ignares nous gouvernent? Combien de va-nu-pieds ont été pris parfois par les forces colonisatrices et installées sur la gouvernance de nos pays? Combien de petits révolutionnaires sortis de leur caserne ont assassiné pour alors s'asseoir pour la gouvernance des pays musulmans? Et avec quel résultat? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté sur l'un des signes à propos de ceux qui ne disent que la vérité sera rejetée, que Sayyidina Abu Huraira, radhiyallahu anhu, rapporte que l'heure n'adviendra pas tant que 30 Dajjal n'apparaissent, tous mentant au sujet d'Allah et de son messager. Et je me souviens que Mawlana Cheikh Nazim parlait de ces 30 Dajjal-là en disant, ils sont tous apparus déjà. Et beaucoup de gens pensent que ce sont seulement des Dajjal qui sont non-croyants, donc des tyrans de l'Occident. Quand on a lu ça dans l'eschatologie, on a tendance à penser que Hitler était l'un de ces Dajjal et ainsi de suite. Staline et tous ces tyrans qui ont fait tellement de tort à l'humanité. Certains, oui, font partie de ces 30. Voilà, la chère Nazim nous disait, beaucoup de ces Dajjal seront des leaders musulmans, seront des leaders qui vont enseigner et qui vont montrer un exemple au monde musulman qui n'a rien à voir avec l'esprit de l'islam. Au nom du socialisme, au nom du peuple, au nom de la revivification de la religion, au nom de telle ou telle idéologie, et ils vont littéralement, dans leur idéologie, transformer l'islam chez eux. Alors ces petits Dajjal vont mener, Mawlana Cheikh fait ce commentaire,
à l'irrévérence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plonger les gens dans quelque chose qui est littéralement de l'hérésie. Et il est important de comprendre pour le croyant à quel point il doit s'attacher à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah Azzawajal nous dit, surat al-Baqara, dans la sourate de la vache, lorsqu'il dit Fadkurukuni Wadkurukum, souviens-toi de moi et je me souviendrai de toi. Et ce souvenir d'Allah, c'est penser à lui. Ce souvenir d'Allah, c'est également ce souvenir du messager, c'est penser au messager. Car le messager est une manifestation de la grandeur d'Allah, est une manifestation de la miséricorde d'Allah Azawajal. Il est rapporté dans Muslim que Abdallah ibn Amr ibn As rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque évoque des bénédictions sur moi une fois, Allah lui enverra 10 bénédictions. Ceci est important parce que ceci nous a été enseigné par les mashayikh sur la valeur du salawat, donc de cette louange que nous devons faire constamment. Cette louange à propos de laquelle Allah Azawajal nous a donné le commandement lorsqu'il a dit Inna la malakatu yusallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Où Allah décrète dans le Saint-Coran que Allah et ses anges font la louange sur le messager et alors il nous commande de faire cette louange-là. Alors, les savants disent que selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la doua ou l'invocation du croyant est suspendue entre ciel et terre tant que l'invocation de la bénédiction et de la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'accompagne pas. C'est pour cela que lorsque Mawlana Cheikh nous avait fait une exégèse, il nous avait fait une sorba sur la valeur de la doua et ses conditions, parce que la doua a également des conditions. Il nous avait expliqué que l'une des conditions fondamentales pour la doa, c'est de l'encapsuler dans un, comme quand vous faites un présent, que vous envoyez ce présent, vous ne le mettez pas, vous ne donnez pas le présent directement, vous avez tendance à l'emballer dans un paquet qui est bon. Et il a dit, ce paquet-là, c'est la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, traditionnellement, on commence, bismillahir rahmanir rahim, salatu assalamu alayka ashrafil mursalin, Sayyidina wa Nabiyina wa Mawlana Muhammad Nabil Umi wa Ali wa sallam, par une louange et on finit wa salallahu Sayyidina Muhammad Nabil Umi wa Ali wa sallam, on finit également par une louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille et à ses compagnons. Alors Allah Azawajal nous rappelle dans la sourate Imran lorsqu'il parle des gens qui sont morts sur le chemin d'Allah. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués sur le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Et cela s'applique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes sont en vie dans leur tombe en prière. Pour ceux de nos intellectuels parfois qui iraient jusqu'à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est absent et qu'il n'est plus présent, ils oublient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lors de Isra wal Mi'raj, il a visité Sayyidina Moussa alayhi salam dans sa tombe. Et il a visité d'autres prophètes dans leur tombe. Et il a prié lorsqu'il est arrivé à Masjid al-Aqsa, à Bayt al-Maqdis, avant de faire son ascension, avec toute l'assemblée des prophètes et des messagers. D'où est-ce qu'ils venaient, ces prophètes et ces messagers, s'ils étaient morts et enterrés et sans aucune capacité? Alors, c'est un rappel pour nous. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma vie est une grande faveur pour vous. Vous rapporterez à mon sujet et elle vous sera rapportée. Et ma mort est un grand bien pour vous. Vos actions me seront présentées et si j'y vois du bien, je louerai Allah. Et si j'y vois du mal, alors je lui demanderai pardon pour vous. C'est un principe chez les Ahlul Sunna wal Jama'a, donc le corps central des sunnites, qui est très important.
cette intercession prophétique. Et ce fameux hadith rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sa venue a été une guidance, une illumination pour nous, mais son départ également, car alors lui est présenté dans sa tombe notre œuvre. S'il y voit du bien, alors il fait la louange pour nous à Allah. S'il y voit du mal, alors il intercède en notre faveur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est frais vivant dans sa tombe. Et il est avec une il est dans sa il a une vie dans sa tombe qui est une vie intermédiaire spéciale, qui n'est pas comme celle des autres. Et le prophète sallam va Maulana Cher va finir par cette fameuse histoire d'un bédouin qui sollicitait l'aide du prophète sallam. Il est venu à sa tombe. Et cela est rapporté par Outbé. Ce bédouin arrive devant la tombe et Outbé dit: Lorsque j'étais assis auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin arabe arriva et dit: La paix soit sur toi, ô messager d'Allah. J'ai entendu dire. Alors il va réciter un fameux verset de sourate An-Nisa. Et dhalamu anfusahum ja'ouka. فاستغفر الله واستغفر لهم رسوله لوجدوا لها توابا رحيما. Alors, ce verset dit, si lorsqu'ils se sont manqués à eux-mêmes, ils venaient à toi et demandaient pardon à Allah, et que le messager demanda pardon pour eux, certes, ils trouveraient Allah très accueillant au repentir. Très accueillant au repentir et miséricordieux. Alors, lorsqu'il finit de réciter cela, il continua, le fameux bédouin. Il a dit: Ya Rasulallah, j'ai entendu Allah dire. Et il récite ce verset. Par la suite, il dit: Ainsi je suis venu à toi, demander pardon pour mon péché, recherchant ton intercession auprès de mon Seigneur. Puis il commença par la suite à réciter de la poésie. Et il dit: Ô meilleur de ceux dont les os sont enterrés dans la terre profonde, dont le parfum habite la profondeur, et l'éminence est devenue agréable. Fasse que je sois la rançon pour une tombe que tu habites, et dans laquelle se trouvent pureté, générosité et magnificence. Puis, ce bédouin arabe s'en alla. Alors Outbé continue, il dit: Je somnolais, et je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon sommeil. Il me dit: Ya Outbé, cours après ce bédouin et donne-lui la bonne nouvelle qu'Allah lui a pardonné. Alors, cette fameuse narration est importante. Pourquoi? Parce que c'est un récit mashhour qui est très bien connu et qui a été rapporté par nul autre que Imam Nawawi, Ibn Jama'a, Al-Kuturbi, Ibn Kathir, Ibn Jawzi, Ibn Asakir et nombre d'autres l'ont relaté pour rappeler que cette intercession-là, qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de notre islam. Alors, Mawlana Cheikh Hicham continue avec un dernier hadith sur cette section. Celui qui dit la vérité est rejeté. Abdurrahman ibn Abdallah ibn Masoud rapporte de son père que ce dernier a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Quiconque dit délibérément du mensonge à mon sujet, qu'il se prépare soi-même une place en enfer. Alors, ceci est un rappel
pour tous ceux à travers l'islam qui ont, à travers l'histoire de l'islam, qui ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont menti, et pas simplement les non-musulmans qui se sont moqués de lui, comme les mécréants qui se sont moqués de lui au départ, qui racontaient des choses fausses, ou alors ceux qui ont été les ennemis de l'islam. Ceci adresse également ceux en islam qui ne disent pas la vérité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui cachent le savoir, qui détournent le savoir, qui nous disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré et il n'a aucun agissement pour nous. Hein, parce que nous avons souvent entendu cela. C'est une parole de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu qui est arrivé en période de crise lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté ce monde et que la panique s'est répandue chez les habitants de la Médine, chez les tribus, chez les Arabes, chez les compagnons sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que dans cette effervescence Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq pour se lever leur a dit: si vous avez aimé Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a quittés. Mais si vous adorez Allah, Allah est éternel. Alors, ils ont utilisé cela pour essayer de faire mourir celui qui est vivant et de le rendre complètement absent de nos vies, comme s'il avait été un simple messager venu délivrer et déposer un livre. Il était parti. Et alors son travail et sa présence étaient complètement terminés. Non, ce hadith nous rappelle cette histoire que Utbé nous a racontée, nous rappelle autre chose. Et ce hadith qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam: malheur à ceux qui vont mentir sur moi, quel que soit ce mensonge, qui vont mentir sur moi. Et nous avons trouvé tellement de choses dégradantes dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement de doutes semés, tellement de distanciations mises dans le cœur des musulmans par rapport à leur messager. Alors que pour eux, ce messager, pour accomplir leur foi, doit être celui qu'ils aiment plus que tout au monde. Qu'Allah azawajal nous accorde la bonne guidance, la bonne compréhension, qu'il nous pardonne pour nos égarements et qu'il nous guide toujours pour sa satisfaction et la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il nous dit, nous venons au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce mois béni, à la veille de Nifs Sha'ban, pour dire: Ya Rasulallah, nous venons à toi. Nous sommes les pauvres de la fin des temps, de faibles serviteurs, perdus. Nous demandons à toi pardon d'avoir transgressé ta sunna, d'avoir oublié ta sunna. Et nous demandons à travers toi que tu intercèdes pour nous pour demander pardon à Allah. Car véritablement, ta parole, ta doléance pèse plus que celle de toute la création réunie ensemble. Par ta lumière, par ta gloire, Ya Rasulallah, nous venons à toi comme ta nation faible. Ila hadratina bil fatiha.